dossier assassinat président Jovenel Moïse là, comme étant donné que le premier ministre, le docteur Ariel Henry, bah, garantit à moun qui fait partie de la famille Jovenel Moïse que lui-même lui prend responsabilité pour Jovenel Moïse comme président de la justice. Donc nous-mêmes, en fait, c'est tout simplement prendre nos mots. Mais cependant, il y a des actions qui posent tout. Ça arrive. Vous venez comprendre que entre volonté équipe t'a doué gagner pour enquête ça t'a avancé pour Jovenel Moïse comme président de la ville de justice, avec sa cap d'Io, ça cap prend comme position dans la radio, on peut que c'est deux bagages différents, madame, monsieur. Nous t'ai toujours dit dans l'émission Matin Débat, faut nous faire très attention parce que enquête ça, Jean Pissio à bouer là, la difficile pour nous arriver à en conclusion côté que tout pays attaque qui c'est qui est ce qui est vrai auteur intellectuel donc assassinat président Jovenel Moïse. Quelqu'un m'a appelé hier soir, bon son monde comme ça comme ça grillé et ordinairement il nous toujours parler avec les fanatiques avec les fanatiques matin débat sans problème et me dit nous connaissons une information pour dis ça qui passé et il me était telle zone et que lui ouais à deux yeux mais à deux yeux par le même Badjo. Ça dit là. Joseph Félix Badjo. Et puis c'est gardé lui c'est machine corps diplomatique qui vient chercher Badjo. Sécurisé par des policiers. Diplomatique oui. Et si me le connaissez on pas de chance de faire vidéo même d'app font jamais voir vidéo baou. Nous avons dit que ça qui là. Non mais t'es un ancien député qui te dit que t'es non market Petroville déjà. Oui, son spaghetti. Ah oui, un ancien député qui dit que t'es well. Donc pas étonné mon matin pour nous attendre que Colombie ça ou bien prison casée ou bien attendre que la justice haïtienne pas haute aucune charge contre yo ou bien attendre tout que gouvernement colombien vous recherche petit lit puis au capable juger donc la caille. D'ailleurs, ouais, Colombie a dit une seconde et ça eu t'es dit clairement. Mais est-ce que nous avons l'aime de parler de lettre nèg yo t'a écrit famille pour dit traitement. Tout ça c'est dans dossier y a monté parce que yo dit clairement pas dire un mot devant un juge haïtien. Yo mandé alors gon lettre même qui a adressé à responsable qui allait Washington à joindre responsable droit monde pour mandé à ce que c'est un tribunal aux États-Unis qui juge nèg yo pour yo pas juger notre devant la justice haïtienne. Yo mandé ça même. Yo gon proche yo qui écrit lettre là disponible qui écrit et responsable droit monde aux États-Unis pour mander pour c'est pas tribunal c'est pas la justice haïtienne qui juge yo. Donc ça veut dire ça qu'a fait là un bon matin moi chaque fois me dis ça là que monde qui là moi un bon matin ou ka wè Colombien yo et puis yo libéré pas étonné pas étonné les informations et selon une interview monsieur Ariel Henry te gagne avec CNN, il fait qu'on est, il va passer instruction à ministre de la justice li, à Ili, Litzketel, pour permettre à ce que ces Colombiens recouvrent. Et d'autres haïtiens. Alors, et d'autres monde qui dans le dossier, c'est pas parce que. Voilà. Qui résumé, ok, et que pour ta joindre libération, yo, ça qui pas participé directement dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Pourquoi les gars sont fait là, oui? Alors, selon docteur Ariel Henry. Pour libérer, alors bien entendu, il va dire pour libérer, exactement, si possible. Tout le monde, oui. tout le monde qui est innocent dans le cadre dossier ça. Pour ne pas arrêter dans la prison. Monsieur, on dit tout. Monsieur, on a dit Ariel Henry tout. Des Colombiens qui ont arrêté, dans le périmètre côté qu'on président assassiné, ZAM nommé. Et puis en plus, nous avons oublié. Combien de temps Colombiens ont été fait ou t'as échangé coup de ZAM avec la police? Et ça qui doit là, c'est que. Nous avons oublié ça, madame, monsieur. Et Adjuya, moun qui mène opération, chef opération, chef palais national là, chef coordonnateur palais national, sécurité palais national là, Jean Laguel civil, qui n'a prison aujourd'hui là, qui fait arrêter Colombien, et c'est lui même qui est en prison, et mes Colombiens là, demandez pour Ariel Henry, fait connaître que il y a possibilité pour laguer. Alors, libérer
Colombie. Si. Alors si Premier ministre t'a fait, bon, si Premier ministre fait déclaration ça, faut dire tout. Même fait déclaration sur. Alors faut dire tout Esaïe prison pour le délier là tout, non, parce que tout le monde qui est en prison. Tout le monde qui est en prison, pas seulement Mounsa, tout le monde qui est en prison innocemment, généralement quelconque, prison doit, le Premier ministre, le ministre de la Justice, tout le monde doit travailler sur le dossier pour libérer tout le monde qui est en prison de manière illégale. Mais si la justice est indépendante, qui ça, docteur Ariel Henry, il y a ouais. C'est clair. Oui, mais pas oublier mon frère, Si on juge des situations de dossier, monsieur. Pas oublier madame monsieur. Tout le monde c'est même le Premier ministre qui était campé dans ce coup fait un boule que et Badjo son qui clean. Oui. Pas nommé non Badjo n'a pas assassinat. Badjo me connaît pas ça pour bagarre comme ça. Sous coup il te fait. Est-ce que il te fait? Il dit que Jodia si c'est en fait Jodia Isaïe César. Si c'est vrai. Parce que justement, il est sur toutes les réseaux sociaux. Non, c'est confirmé. C'est confirmé que Dr. Ariel Henry. Non, on a vu que Bailly, donc. Déclaré. Okay. L'a fait suivi nécessaire pour être capable de libérer, si possible, tout le monde qui est innocent. Et qui est innocent. Yo. Nous ne voulons pas qu'il y ait des gens en prison seulement parce que c'est colombien ou bien parce que nous prenons pour assassin alors que yo pas assassin. Yo ta innocent. Même moi. Pensez sur moi, yo ta innocent. Docteur Ariel Henry, qui gagne bon côté, Josué Pierre-Louis, avocat, ouais. Docteur en droit. Alors, m'te dit d'aller à cette parent, c'est le gouvernement colombien même qui voye et l'être là, et CIDH, qui c'est yon organe de droit moun à Washington. Nous traitons dossier ici, nous traitons avec une légèreté telle qui a fait que. Moun nan nous connaît tout moun nan devait avouer c'est lui qui fait crime nan mais le fait que dossier judiciaire là li mal monté capable profitable à moun ça au bout de ça toujours dit fuck dossier yo traité bien y a moi tout moun comme dit dossier chaque citoyen mener enquête sur dossier ça dossier assassinat Jovenel Moïse chaque citoyen haïtien gagne une version de assassinat Jovenel Moïse moi juge destruction juste destruction c'est avant hier là il était sous place il était sous place c'est allé sous les lits très bien OK donc sur dossier là suivi ici madame monsieur dans cadre de émission matin débat. Est-ce que Colombien, donc il y a une libération prochainement, donc yo même qui était impliqué dans l'assassinat président Jovenel Moïse, parce que déclaration Premier ministre Ariel Henry est très suspecte, ok, il est très suspect. En tout cas, on a prétendu pour nous. En tout cas, comme tu l'as dit Josué, c'est pas seulement et Moun qui n'a pas été innocent dans cas d'assassinat. C'est tout le net. Tout le monde qui n'a prison, généralement quelconque. Qui n'a prison donc, de façon innocente. Innocent. Qui d'ado est parti pour donc libérer madame monsieur. Moun qui n'a prison pour cigarette, pour banane, pour cabout de voler et puis qui a 5 ans, 3 ans, 4 ans en prison. Moun ça retourne c'est moun, même Jacques Colombien, même Jacques tout le monde qui n'a cité dans cas d'assassinat Jovenel Moïse. OK. N'a pas regardé dernier point et avant que nous recevoir et Tijan, nous connaissons que chaque mardi, donc nous avons Tijan pratiquement dans la Kaila. Et Tijan qui parle, et fait connaître ça qui va passer. Donc dans les prochains jours, madame, monsieur, donc dans le pays. Et Josué a un mandat oui, là, et contre le policier Mientil Brice. Alver. Ok, il y a un magistrat, et Maître Jean. Alver, ça le Maître Jean Québec. Maïssa, substitut commissaire gouvernement. Qui t'a demandé, qui t'a écrit donc instruction générale pour te la mettre à la disposition Brice Mirtil, commissaire divisionnaire. Dans 4 kilos 1er octobre 2021. On a fait deux bails, tech, caille, bails comme ça. Donc, ils sont bails comme ça. Donc, ça c'est pour. C'est commandant Brice Mirtil Brice. Donc, qui est pour le paraître devant parquet. Donc, 1er octobre 2021. Problème. Donc, sous ordre maïsien, maître Jean Kébès, qui c'est maïsien, commissaire, substitut commissaire du gouvernement. En tout cas, bon, ok. Haïti politique. Remaniement du cabinet ministériel, quel sera le profil du prochain gouvernement? Hier, à l'émission Matin Débat, déclare, nous t'expliquer que. Après la démission donc, de l'envoyé spécial Daniel Foot,
j'ai qu'une analyse ici dans l'émission Matin Débat, nous comprendre que Chaudia est capable de renverser. Et que docteur Ariel Henry, comme ministre d'Haïti, est capable d'une situation côté que il a même perdu poste là. Mais réaction américaine, réaction Washington, hier, en fait, dans le week-end, non, après la démission de M. Foot, nous venons comprendre que le Premier ministre et le docteur Ariel Henry n'est pas inquiété. Maintenant, Washington décide, il faut que maintenant que le président américain Joe Biden est très préoccupé. Ok? Parce qu'il a passé en Haïti là et il souhaitait que y a une solution donc, à la crise haïtienne. Maintenant, Washington voyait deux émissaires qui ont rentré cette semaine. Il nous dit que l'émissaire, qui est-ce qui a rencontré, qui est-ce qui a rencontré tout. Il nous dit hier tout. Après, à quoi là? Il faut regarder la prochaine étape avec le docteur Ariel Henry. Et hier, Esaïe César a insisté. Nous te dis que est-ce que docteur Ariel Henry est capable de river mon ton cabinet? Est-ce qu'il est capable de river mon ton cabinet? Madame, monsieur, il y a deux situations posées là dans le moment où on a parlé. Alors. Je dis à Haïti, son pays qui n'a pas de président. Ça va être trois mois exactement. Et nous connaissons que le Premier ministre là, il est limité, il n'est pas qu'à engager l'État. Et si tu as gagné une convention, un bagaille qui t'a dû signer entre Haïti et l'autre pays, oui, nous ne sommes pas engagés. Maintenant, le secteur qu'il a, et c'est l'une des propositions qui est donc en fait sur la table également, et nous t'insister sur lui, c'est la question du triumvirat. On triumvirat avec un Premier ministre quand même, mais est-ce que son triumvirat avec Ariel Henry ou bien un autre Premier ministre. Et c'est ça pour nous suivre aujourd'hui là. Esaïe César, José Lexidor, nous avons parlé de question de Triumvirat. Nous avons dit que il a constitué des représentants de certaines institutions. En fait, le Parlement. Le Sénat, la présidence. Alors, on dit le oui, Sénat. Oui. Et la présidence. La présidence et puis la société civile. Yeah. Et puis également les autres partis politiques. Maintenant, eh bien, ça qui là comme proposition sur la table, madame, monsieur. Parce qu'au niveau de Washington, déjà un secteur qui croit que ce conseil présidentiel, on triumvirat, donc qui peut adorer en fait pour reine entre guillemets transition pays pour une période de 24 mois. Eh bien, ça qu'il a, il a souhaité faire avec un représentant de la diaspora. Hein? Un représentant de la diaspora. Un représentant de la classe politique. Largement large ou bien?